parti pour une nouvelle vidéo sur Stumble Guys. Aujourd'hui, je vais tenter de terminer la map Stumble Up 2. Et oui, ils ont sorti une nouvelle version, donc la map la plus dure de Stumble Guys. Et on va réussir à la terminer. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo. Si tu kiffes les vidéos sur Stumble Guys, le gros pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et le code créateur Kefko dans la boutique de Stumble Guys. 10 000 gemmes à gagner chaque semaine. Et nous, on obtient un skin totalement éclaté. Mais de toute façon, c'est pas ça le but aujourd'hui. Regardez, il y a les événements. Et on a ici Stumble Up 2 que je vais totalement découvrir et qu'on va terminer dans cette vidéo, peu importe le temps que ça va me prendre. Mais on va se faciliter un petit peu la tâche. On va faire le Stumble Up 2 EZ. En gros, c'est exactement la même map, sauf qu'il y a quelques petits checkpoints. Mais si on atteint les 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous promets de terminer la version difficile. Après, c'est pas parce qu'il y a des points de sauvegarde que la map est facile. Hein. On va la découvrir, Stumble Up 2. Oh là 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 là, j'avais adoré la première version. Donc là je suis juste super chaud de faire la deuxième. Et on va surtout voir combien de temps ça va me prendre. Moi je pense honnêtement au moins une heure. Je m'en souviens que la première ça m'avait pris mais plusieurs heures à la terminer. Après on avait directement commencé avec la version difficile et pas celle avec les checkpoints. Donc bon, on va voir si ça va me faciliter un petit peu la tâche. En tout cas, on est sur la chaîne Kefko Gaming. Donc abonnez-vous pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Je pense qu'on va faire de temps en temps du Stumble Guys ici. Voilà, ça me fait toujours kiffer ce jeu. Je l'adore. Donc hop, on va monter. Quand il y a moyen que ça me fasse rager aujourd'hui, hein, je vous le dis. Oh là là, ça commence déjà à me tendre. Mais là, il faut savoir que si je meurs à cette étape-là, je recommence bien évidemment du début. Hein. C'est pas non plus tu respawnes exactement à l'endroit où tu étais. Oh là, on a le premier checkpoint. Oh, bon, c'est magnifique, hein. Les décorations, mais j'adore. Ok, on va monter. Voilà, ça a totalement changé. Est-ce que je peux rentrer ici à l'intérieur? J'ai pas l'impression. J'ai cru pendant une petite seconde. Mais regardez, on a commencé ici en bas et maintenant il faut monter tout en haut. Je pense pas que ça va être très facile. Mais en tout cas, on va le tenter. On n'a pas d'émote, hein, donc je peux pas tricher. Même les danses, ça fonctionne plus le petit bug pour s'arrêter d'un seul coup. En tout cas, je crois. Attendez. Ah. Bon, je suis totalement raté. On est mort pour la première fois. Heureusement, on a le checkpoint. Wesh! Pourquoi ça m'a fait re... Mais... Pourquoi ça me fait rebondir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je pense que même sur la version facile, mais je vais galérer, les gars. Ça va pas du tout être si EZ que ça. Attendez, j'ai envie de voir. Est-ce que si je fais une danse, ça permet quand même de s'arrêter d'un seul coup? Oh, je crois bien que ça fonctionne pas entre. Ah, ça va bien nous aider. Où est-ce qu'on est? Je suis jamais arrivé autant loin sur cette map. Hein. Donc là, c'est full découverte. J'ai l'impression que ça sert à rien, les deux gros toasts, là, les tranches de pain. Ok, on va monter ici. La décoration est très jolie, j'ai l'impression qu'elle est plus dense que le Stumble Up numéro 1. Genre, il y a beaucoup plus de détails, etc. J'aime bien, après le Stumble Up 1, en fait, c'était simple, mais c'était vraiment bien fait. Ah! Mais attends, c'est impossible de sauter autant loin. Il y a déjà 2 minutes qu'on est là. Bon, ça va, en vrai, j'ai envie de vous dire, 2 minutes, c'est pas énorme. Le saut m'a l'air un petit peu plus compliqué. C'est bon, on a réussi. On monte ici. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop! On tryhard, on tryhard, on tryhard. On se laisse pas déstabiliser. On va sur la sorte de... Je sais pas ce que c'est, les gars. Je comprends rien, la décoration. Une soucoupe volante ou quoi? Et là, oh, j'ai failli glisser. Non, 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 non. Il est où le prochain checkpoint, là? Je joue à la version EZ ou c'est la version difficile? Regardez, du coup, on recommence tout en bas. Ok, c'est bon. J'ai pu remonter tranquillement. Cette fois, on se rate pas ici. Je pense qu'on doit aller, hop, sur le toit, là. Et après, on peut aller ici, d'accord. Ah ouais, mais faut comprendre, hein. Et là, il y a un checkpoint. Faut surtout pas que je tombe maintenant. Surtout pas. Let's go! On a chopé le deuxième checkpoint. Je sais pas si la map est beaucoup plus grande que la dernière. Vraiment, je vous dis, full découverte. Mais c'est une mise à jour Stumble Guys qui fait honnêtement plaisir. Hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous avez essayé de terminer au moins la map? Est-ce que vous y avez joué? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à la terminer pour ceux qui l'ont testé? Ça m'intéresse vraiment de savoir si elle est facile ou pas facile. Je viens de faire le tour pour rien, là, non? Ah non. Oh! Oh! Il y a des sortes de petits pics. Et pourquoi il me laisse pas passer? C'est bon. Ok, un petit saut. Souvent, en fait, il faut pas faire le dash. Hein. Il faut juste faire le saut classique. J'avais l'impression que j'étais en train de bugger. C'est surtout pas le moment. Est-ce qu'on aurait pu prendre l'autre chemin? Attends, on va faire le tour quand même. Ça me paraît étrange, cette histoire. Il n'y a pas un petit raccourci caché? En vrai, ils auraient pu mettre des petits raccourcis. Hein. Stumble Guys, ils sont pas sympas sur ce coup-là. On monte ici. Bam, bam, bam. Je sais pas si je raconte. Non! Je bug, je bug. Oh! J'ai eu un petit coup de bug. Oh non, j'aurais pas voulu tomber. Honnêtement, dites-moi si je raconte des conneries, mais pour l'instant, j'ai l'impression que cette version est plus facile que la première.
Et là, par contre, faut faire le saut. Mais niveau décoration, ils se sont plus chauffés. Ok, mais regardez, là, en vrai, les petites planches, c'est pas bien compliqué, hein. T'as juste à sauter dessus. Hop, hop. Oh, là, je crois qu'on va se faire éjecter. Wouhou. Oh, on va carrément sur cette planète. Aïe. Je me suis pris un gros rocher en pleine tronche. Ok, attendez. J'arrive à monter dessus. Ok. Après, c'est sûr hein, que ça aide les checkpoints, mais au moins, ça m'évite de refaire tout depuis le début, juste pour retourner à l'endroit où j'étais. Mais regardez, on a une petite difficulté naturelle, c'est que j'ai un total de 150, voire 200 de ping. Ça veut dire que ma connexion internet n'est pas très bonne. J'espère que ça va pas me poser problème. Ok, on va passer le prochain checkpoint, les gars. Au bout de 5 minutes, regardez à la hauteur qu'on est. Mais attendez, on est déjà à la fin de la map, là. Impossible. Ok, montez ici. Oh, si on peut tomber... Non, on peut passer à travers. Regardez, la map est plutôt grande déjà. Mais là, on l'a presque terminée, non? Ou alors, elle est vraiment gigantesque. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà très très haut comparé à la dernière fois. C'est bon, j'ai bien pris le bon chemin. Je me suis dit, attendez, faut pas que je parte dans le sens inverse quand même. Et on passe, oula, ça commence à tourner. Oh non, je suis raté, je suis fait fanter, c'est une sorte de grande roue. J'ai l'impression qu'il commence un petit peu à compliquer le niveau. En même temps, j'avoue que là, c'était pas très compliqué jusqu'à maintenant. Je pense que les obstacles les plus durs, hein, comme le stumble up numéro 1, ou le dernier, je sais pas si vous en souvenez, mais c'était horrible. Mais non! Il y avait vraiment un obstacle, mais tout le monde galérait dessus. Ok, là, c'est bon, je saute! Les gars, ça me paraît super loin. Ok, là, je le sens bien, je le sens bien, je saute. Oui. Ouh. Ok, je sais pas ce que je dois faire. On va rester sur la petite pierre qui tourne. On est autour d'une planète carrément. Ils sont partis de loin, Stumble Guys. Hein. Où est-ce que je dois aller? Le prochain checkpoint est juste là-bas. Comment je peux sauter autant loin? Mais attendez. Quoi? Non, mais c'est impossible de faire un saut autant gros. Ou c'est moi qui hallucine? Ici. Et je pensais pas que c'était possible hein. Finalement on arrive à sauter très loin ici mais. Ah ouais, finalement c'est possible. On dirait vraiment que c'est impossible de faire un saut autant loin. Finalement j'ai sous-estimé la capacité de notre petit bonhomme. Ok, ça ressemble à un obstacle qu'on avait déjà sur le premier, qui était assez satisfaisant. Oh, attends, on peut pas prendre un raccourci de malade là. Regardez. Regardez, attendez, on va essayer de passer par dessus. Il y a le checkpoint ici. Eh ouais. J'ai triché. Normalement, fallait faire tout le tour. Eh ouais, non. Moi, j'ai trouvé un petit raccourci. Ben, on va terminer la map encore plus rapidement que prévu. Oh, ça glisse, là. Là, ça glisse. Par contre, on le ressent clairement. Ça commence à devenir plus compliqué. Hein. Le début, c'était vraiment tranquille. Petite promenade. Et là, je pense déjà avoir un peu plus de peine. Wouhou. On tombe tout en bas. Ah, vraiment, si là, à chaque fois, je devrais recommencer la map, ça me ferait péter un câble. Mais bon, je vous l'ai promis aux 5000 pouces bleus. Mais là, la version EZ, c'est quand même bien plus simple à jouer. Enfin, la map n'est pas plus simple, hein. Il n'y a aucune modification sur la map. C'est vraiment juste que vous avez des checkpoints. Comme ça, vous n'avez pas besoin de recommencer du début à chaque fois. Ce qui fait quand même bien plaisir, voilà. On va pas se mentir. Ça... Wow, oh, le saut. Oh, vous l'avez vu, il y avait un petit trou. Oh, je l'ai vu au dernier moment, j'ai eu le temps de sauter. Ok, on va bientôt arriver aux 10 minutes. On n'a pas encore terminé la map. Hein. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ok, on va monter là. Allez, mets-toi normal. Ouais. Je vais sauter sur le toit. Ouf, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Oh là là. Mais quoi? Mais attends, là, c'est impossible d'aller sur cet endroit. À mon avis, j'ai dû rater un endroit. Parce que là, vraiment... Ah, peut-être je dois glisser sur la droite. Non. Non. C'était compliqué, mais on a réussi à passer. Aïe. Mais non, je me rate sur un petit saut comme ça. C'est la honte, là. Et du coup, je dois refaire cet obstacle qui était pas facile du tout. Ouais. Les gars, on a un petit souci. Je viens de tomber au moins 5 fois d'affilée sur cet obstacle. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'aller directement là. Oh là là. Moi, j'ai pas pensé avant. Vraiment, je suis mort, mais je sais pas combien de fois. Maintenant, on va pas se rater ici. Ah, ça va me faire péter un câble, cet endroit. Ah, j'en peux déjà plus. Faut que j'analyse bien l'obstacle. En fait, j'ai l'impression qu'au milieu, il y a une sorte de tronc d'arbre. Donc, je pense qu'il faut aller sur le côté. Eh ben, merci de tes conseils, Kefko. Là, je raconte n'importe quoi. Peut-être il faut aller sur la droite. C'est la seule solution que je vois. Mais non, mais j'en peux plus, les gars. Ça fait seulement 15 minutes. J'espère que c'est le plus dur. Ok, allez, on va essayer de réfléchir. Il n'y a pas un petit chemin secret? C'est juste un saut.
C'était juste ça, les gars. Depuis avant, je galère. Pas possible. Ok, il y a un checkpoint ici. Allez, je me rate pas là. J'en ai marre de cet obstacle. Oh, 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 c'est bon, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Magnifique. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un chemin par derrière là. Non? Ok, c'est que de la décoration. C'est bon, on est enfin passé au prochain. Oh, c'était vraiment pas facile celui-là. Enfin bon, surtout, j'y allais un petit peu bêtement sans réfléchir. Et là, faut monter. Ok, faut qu'on arrive à se stabiliser. On saute. Oh, on spam, on spam, on spam. C'est bon. On peut faire aussi les petites danses. Ah, bon, j'ai l'impression qu'on glisse quand même. C'est quoi ces sortes de saucissons? Est-ce qu'on est à la fin là? J'ai l'impression que c'est là-bas la fin. On n'est pas si loin que ça, hein. En 15 minutes, premier essai. Avec les checkpoints, bien évidemment. Ouais, il y a encore un checkpoint ici. Bah, c'est bizarre, là, ils en mettent plein, alors qu'avant, j'ai dû galérer un bon petit moment. On va essayer la danse. Ah non, ça marche pas du tout. Ok, bon, on retombe, mais regardez tout ce qu'on a fait. Et par contre, la décoration, on peut rien dire, elle est très très jolie. Même si ça part un peu dans tous les sens. Je sais pas si je préfère Stumble Up numéro 1 ou numéro 2. Faut voir la fin. Dites-moi bien sûr votre avis dans les commentaires. Donc là, faut réussir à freiner. Ça, c'est pas facile, mais c'est bon. On a réussi. Oh, on va devoir le faire plusieurs fois. Wow, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas bon. Allez, vous savez quoi? Je vais remonter. Fini de tricher avec les checkpoints. Peut-être un saut normal, hein. Eh oui, mais en fait, pourquoi je me complique à chaque fois la vie en faisant des dashs? Ok, là, par contre, je pense qu'on est obligé. Ouais. Souvent, vraiment, je me rends le truc plus difficile que ça l'est vraiment. Ok, on est pas mal. Oh là là, c'est beau là, par contre, regardez. Le petit skin. C'est pas vraiment lequel c'est, je crois, c'est le skin Leonidas. Oh, il est incroyable. Faut juste pas que son chapeau, il me pousse. Ok, on est sur le toit. Les gars, j'ai l'impression qu'on est tout en haut. Je crois qu'on a bientôt terminé la map Stumble Up 2. Ah, fallait forcément que je me rate. Surtout que là, cet obstacle, je vous avoue que c'est loin d'être le plus facile. Faut pas que je me rate. Ok. Ok. Allez les gars, la persévérance, c'est maintenant. Ok. Allez, j'ai envie de choper le prochain checkpoint là. On peut plus de cet endroit. Ouais. Ouais, non, non. Oh là là, mais attends, mais sans checkpoint. Mais j'ai pas 5 heures sur cette map. Je crois qu'elle est plus dure que la première version, hein. À moins que c'est ça le dernier obstacle, mais j'ai pas l'impression. Ouais, là c'est vraiment pas facile, parce qu'en plus, regardez, ok, j'ai le checkpoint, mais il faut que je refasse, hop, cet obstacle, là ça va, le saut, ok, ça paraît peut-être plus facile que ça en a l'air, ouais, allez, ah non, on se rate pas ici, hein. Je crois qu'il faut juste que je fasse un saut normal, non? Gardons notre calme. Je vais tenter peut-être de faire juste un saut normal. Je pense pas que je dois aller sur la tête du skin quand même, non? Ah, peut-être, hein? Je sais pas. Essai numéro 25! Ok, ok, c'est bon. Les gars, on va tenter peut-être juste un saut. Non, mais les gars, j'ai tout essayé. Là, je suis un peu bloqué, hein. Bon, en vrai, à chaque fois qu'on a eu ce problème avant, c'est parce que j'ai essayé le saut sans réfléchir. D'accord. Donc, je disais, j'y allais sans réfléchir. Donc là, vous savez quoi? On va analyser l'obstacle. Est-ce qu'il y a un endroit, il est plus haut? Ah, mais je pense vraiment que je dois sauter sur la tête, en fait, hein. À mon avis, c'est ça, hein. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Oh, mais c'est vraiment ça! Mais comment je suis censé comprendre? Je pensais qu'il fallait aller sur le toit du bâtiment. Et il y a vraiment, quand vous êtes perdu sur cette map, vous vous posez devant l'obstacle qui pose problème et vous réfléchissez. C'est vraiment la clé du succès sur cette map. Maintenant, s'il te plaît, balance-moi un checkpoint. Vraiment. On est ma claque de cet endroit. Et là, on arrive enfin sur le toit. C'est sûr, en plus, ils ont mis genre un mur invisible. Ils l'ont mis pile à la bonne hauteur, que c'est impossible d'y parvenir sans. Bon, par contre, il est où le prochain checkpoint? Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, hein. Et on va ici. Et ça va normalement là. Pas trop compliqué, je vais pas me rater sur ça quand même. On passe au milieu. Ok. Comment je monte là? C'était chaud, c'était chaud. Ok, là on y va en saut normal, comme ça on est sûr de pas tomber. Ah, j'aime pas la petite flèche là. Il y a vraiment moyen de glisser. Oh, trampoline! Ok, allez, donne-moi un checkpoint. Donne-moi un checkpoint, c'est maintenant. Ok, c'est bon! Checkpoint, imaginez, je serais tombé ici. J'aurais rage quitte, hein.
Non, c'est bon. On s'est chopé un nouveau checkpoint. Et mais la map est clairement plus grande que la première version. Oh, et plus dure aussi, j'ai l'impression. Ok. Premier saut. Deuxième. En fait, ça va. C'est comme ça qu'il a, il avait l'air super dur en apparence. Finalement, en pratique, c'était un des plus simples. J'ai un peu abusé. Ça, c'est de la décoration, si vous me posez la question. On va directement aller là. Magnifique. Ouais, j'ai vraiment l'impression que certains obstacles ne servent à rien. Voilà, il y a des objets, ils flottent. Voilà, c'est de la déco. On a le prochain checkpoint. L'autre, on a dû attendre une heure pour l'avoir. Et il y en a des, vraiment, tu fais 5 petits sauts, t'as déjà un autre checkpoint. C'est assez bizarre. Ok. Ah, par contre, les flèches, ils sont pas sympas. Hein. Ah, ils sont pas sympas, les gars! Est-ce que vous pensez qu'on peut aller à l'intérieur des sortes de portails là-bas? Je me demande, peut-être ça va être la fin de la map. Moi, je suis en train de tomber pendant un petit moment. 24 minutes déjà qu'on est sur cette map. C'est vraiment pas facile, hein. Même avec les checkpoints, j'imagine même pas si j'aurais fait la version difficile. Je pense que là, par contre, ce qu'il faut faire, c'est juste faire un saut normal. Pas faire un dash. Sinon, forcément, tu glisses. Let's go! Oh! Ok, oh, il y a le skin de Zeus. Oh là là, il est magnifique. Et ça veut potentiellement dire qu'on est à la fin. Et c'est super joli. Est-ce que je suis censé monter? Non, j'ai pas l'impression. Je crois qu'on... Oh, les gars, c'est la ligne d'arrivée. Let's go. On a terminé la map en 24 minutes et 45 secondes. Bon, je m'attendais à autre chose pour la ligne d'arrivée, mais je suis quand même super content. On a réussi à terminer. Loin d'être facile cette map. Hein. 24 minutes et 45 secondes avec les checkpoints, ça m'a pris. Donc 100, j'imagine même pas. Est-ce qu'on a une petite récompense? On a une couronne. On reçoit un peu d'XP. Rien d'autre? Ok, bon, je m'attendais peut-être à un petit skin. Je pense que c'est plutôt si t'arrives à terminer la map normale, je sais pas. Mais honnêtement, j'ai quand même adoré cette nouvelle map. Dites-moi vous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas le code créateur Kifco dans la boutique de StumbleGuys, de mettre votre giga pouce bleu, vous abonner à la chaîne, régale-toi avec mes autres vidéos juste ici. Et moi les BG, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!